Hey, salut à tous, c'est Ficto93, les experts du Hot. Salut, bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec la quête de Dino, à savoir, ça vous change la vie, donc la toute dernière quête de celui-ci. Cette quête se trouve à la tour de Kostelmark, donc à savoir dans la région de Duskae. Il s'agit de l'un des donjons les plus difficiles du jeu. Il est préférable de s'aventurer avant d'atteindre au moins le niveau 55, voire le niveau 60, qui est plutôt recommandé, car franchement, ça peut vous faire du one shot. Allez, c'est parti, je vous montre exactement l'emplacement du rupee brut qu'il vous demande. La petite plaque que vous voyez maintenant, elle ne sert strictement à rien. Elle n'est pas active, donc ça sert à rien de vous casser la tête à savoir comment l'activer. Vous allez avoir d'autres plaques qui se trouveront plus loin dans le jeu, et que si vous les activez, elles sont de couleur rouge, vous allez revenir à l'entrée du jeu. Donc, suivez le chemin que je vais effectuer, et là vous allez voir, il y aura directement le rubis, il y aura énormément de combats, donc préparez-vous aux affrontements. Donc là vous voyez bien en fait j'ai déjà la lance rayonnante, donc là je la retrouve dans celui-ci. Pour que vous comparez, vous voyez bien que les deux armes sont identiques, donc vous pouvez l'équiper avec Inis et Noctis, ou sinon juste avec Inis puis vous revendez l'autre. Ne passez pas par ce côté, mais passez plutôt par le côté droit. Vous longez la paroi, vous faites tomber dans le vide. Vous vous faites à trois reprises, vous allez tomber à trois étages plus bas. C'est beaucoup plus rapide que si vous passez par le côté gauche en fait. もしかして、ここから飛び降りたらいけると思う？確かにそうかもしれないが、リスクが高すぎる。やめておいた方が賢明だろう。普通に死ぬよな、それ。あいつの体力がそこが見えてきたな。終わらせた。本気出せよ。 厳しかったな。
Et voici l'émeraude que nous demandait Dino. On retourne le voir, il va nous donner notre récompense. A savoir aussi que vous pouvez longer continuellement le donjon pour arriver jusqu'au coffre-fort qui est fermé à clé, que vous pouvez accéder juste à la fin du jeu en allant à Madicchio où il y a Sanya avec sa dernière quête. Il y a une petite vieille sur un pêcheron, c'est elle qui vous donnera la clé. En ayant terminé le jeu bien sûr, vous venez ici, vous allez arriver à un moment sur une grande salle carrée. Il y a des plaques à activer dans un certain ordre parce qu'en fait c'est une sorte de comme un Rubik's Cube si vous voulez. Et de là vous allez accéder ensuite à la dernière salle où il y aura l'accès pour aller au boss qui se trouvera sur le côté gauche, sur le long muret du côté gauche où il y aura un petit trou, vous passez en dessous, il y aura le coffre-fort, vous rentrez la clé et là vous allez avoir le boss. Je mettrai très prochainement la vidéo avec le combat qui est assez magnifique contre ce boss. Je vous dis à très bientôt les experts du raid. Te salue bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, ciao, bye bye.